Bienvenue à James Bond 007, l'exposition 50 ans de style Bond, qui se déroule à la Grande Halle de la Villette du 16 avril au 4 septembre. Alors c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la première fois en France qu'il y a une exposition qui d'abord est consacrée à James Bond, ça n'avait jamais eu lieu, mais en plus avec près de 600 objets qui viennent des archives d'Ion Production, la société de production qui produit donc les films de James Bond depuis 1962. Alors vous allez voir à peu près tout, des costumes, des accessoires, des gadgets, des miniatures utilisées dans les films, mais aussi des bouts de décor. Bref, pour tous les fans de James Bond et les fans de cinéma, c'est une visite immanquable. The exhibition really allows visitors to follow in the footsteps of James Bond. They really enter a Bond world, and we hope allows them to experience, you know, the thrill of being in a James Bond movie. We hope that we create a space that when you enter, you're removed from the reality that where you were. I think that's what's really exciting about shows like this, is they give people the opportunity to understand the process that lies behind the film that they see. Je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve des ambiances qui sont vraiment celles des films, avec ce côté qui mélange à la fois des technologies bizarres et nouvelles, des filles magnifiques, des aventures policières espionnes, et le tout mélange une espèce de mythe qui convainc les générations, parce qu'on est deux générations à être passionnées par le même mythe. C'est génial, moi je prends des photos, hein. Je suis un peu comme un enfant, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, je suis acteur et tout ça, professionnel, mais en même temps, voilà, faut pas oublier cette part de magie, donc pour moi je vais rentrer là-dedans et pareil, hein. Ça va être photo, Instagram, Twitter, Facebook.